Je carbure aux vitamines, à la caféine, à tout ce qui peut me maintenir éveillé, m'empêcher de m'endormir. Ça fait 49 heures et 16 minutes exactement que je n'ai pas dormi. Mais en toute honnêteté, je ne vais plus tenir très longtemps. Et je sais que si je m'endors, je ne me réveillerai plus jamais. Il va me tuer dans mon prochain sommeil. Et le plus horrible, c'est que je vais y assister, sans même pouvoir bouger, ni même crier. Car depuis peu, je suis sujet aux paralysies du sommeil, ou aux parasomnies. Ce trouble étrange du sommeil qui paralyse une personne au moment de l'endormissement ou de l'éveil, ne lui permettant plus ainsi de bouger ou d'émettre le moindre son, est souvent accompagné d'hallucinations auditives ou visuelles, de sentiments d'oppression, nous dévoilant même pour bien des cas une présence maléfique, comme ça l'est pour moi. Pour beaucoup de gens n'ayant jamais vécu ce genre d'expérience très désagréable, elles n'existent pas. Elles sont le fruit de l'imagination des personnes dites atteintes de ces troubles. Mais dès lors que vous y êtes confronté, je peux vous assurer que vous êtes bien conscient de tout ce qui vous arrive lors de la durée de ces paralysies et que vous n'en sortez absolument pas indemne. Pour ma part, elles ont commencé il y a un peu plus de 3 mois. De manière sporadique, au moment même de mon divorce. On dit qu'elles peuvent être déclenchées par des événements éprouvants pour les nerfs. Mon divorce en était bien un, mais à vrai dire, depuis ma première paralysie, c'est devenu le cadet de mes soucis. Ce qui me préoccupe le plus l'esprit, c'est comment éviter d'en faire, car les miennes sont réelles et mortelles. Comme je vous le disais plus tôt, elles vont finir par me tuer. J'ai longtemps cherché, j'ai regardé parmi les milliers de témoignages si des personnes avaient eu les mêmes paralysies du sommeil que les miennes. Mais non. Il semble que je suis un précurseur en la matière. Il semble que je suis le seul cas à être mutilé par celle-ci. Et peut-être que même ce soir, si je m'endors, je serai le premier cas de décès dû à ce trouble. Ça doit être dû à la singularité de l'entité que je vois pendant celle-ci, qui me fait subir ça pendant mes paralysies. Après tout, peut-être que je suis le seul à avoir une soi-disant hallucination qui est capable de me faire du mal. J'ai cherché aussi une éventuelle existence de cette entité à travers les âges, dans l'histoire, mais je n'ai rien trouvé. Il semblerait que ce soit un enfant monstre. Démon, j'en sais rien. En tout cas, il en a l'air. Petit, blanc, des yeux noirs. Et bien sûr, la rangée de dents anormalement disproportionnée par rapport à son visage. Et puis cette voix, ces drôles de sons qu'il émet lorsqu'il m'observe. Ça me glace le sang. Au début, il ne faisait que ça d'ailleurs. M'observer, sans émettre un seul son. Son visage écœurant tout proche du mien, avec une odeur horrible, une odeur de mort. Ce n'est qu'à ma 3e parasomnie qu'il a émis son premier bruit, un rire effrayant. Comme s'il se moquait de moi, sûrement conscient que je ne pouvais pas bouger. Que j'étais totalement à sa merci. Je peux vous assurer que ce sentiment d'impuissance est terrifiant. Il a continué comme ça, pendant encore 2 nuits. Et la 3e, oh mon Dieu, la 3e, il s'est mis à me renifler. Me sentir, son visage horrible près du mien. Il avait de la bave qui coulait de sa bouche immonde qui est venue s'écraser sur ma figure. J'en avais des hauts le cœur, mais je ne pouvais rien faire. Je devais juste subir tout ça, sans pouvoir bouger. C'était tellement écœurant. Et le lendemain,
ce fut pire. Il a commencé à tirer sur les draps et à relever mon t-shirt. Et avec sa langue immonde, il a commencé à me sentir le buste. Et à me lécher. Oui, me lécher le corps. Vous savez que ce n'est pas une hallucination. Quand votre corps est couvert d'une bave gluante, non, croyez-moi. Croyez-moi. Quelques nuits plus tard, il s'est approché de moi. Il est venu me susurrer à mon oreille quelque chose de terrifiant. Je vais te goûter. Que voulait-il dire par me goûter? La réponse, je l'ai eue assez rapidement. Elle s'est approchée de ma main et il m'a mordu mon petit doigt. Il l'a mordu si fort que j'aurais hurlé si j'avais pu. Malheureusement, j'étais toujours bloqué. Ses dents ont arraché le bout de mon doigt avec l'ongle. Il y avait du sang, beaucoup de sang. C'était horrible. Je ne peux pas vous décrire la peur que j'ai ressentie. La douleur, quand ma paralysie du sommeil a pris fin. J'aurais tellement voulu que ça s'arrête ainsi. Mais mon cauchemar était loin d'être terminé. Je suis allé voir un médium. Je lui ai expliqué mon cas. Ce qu'il s'est contenté de faire, c'est me donner des conseils. Et quelques gris-gris à poser près de moi. Des gris-gris qui étaient censés me protéger. Mais... dès la nuit suivante, il est revenu. Il m'a alors susurré à l'oreille. J'ai bien aimé ton goût, j'en veux encore. Avant de mordre mon oreille avec force. J'entendais sa mâchoire se fermer, mâcher celle-ci avec des bruits écœurants. Et la douleur qui était si forte. Ça empirait. Il était en train d'essayer de me bouffer. Vivant, pendant que je ne pouvais pas bouger, que je souffrais, j'aurais voulu hurler au martyr, crier au secours, mais rien, ouais, rien ne pouvait sortir de ma bouche. Juste des larmes qui coulaient le long de mon visage pendant que je subissais cette horreur et qu'il m'arrachait l'oreille. Lorsque je me suis réveillé, il y avait du sang partout, sur le côté droit. Il n'y avait plus de traces de mon oreille, juste un trou béant d'où s'échappait ce liquide rouge chaud. Je regardais, je cherchais, il avait certainement dû la dévorer. J'ai pris conscience que j'étais en train de me faire bouffer pendant toutes ces paralysies. J'ai pris conscience que les gris-gris de ce soi-disant médium qui devait me protéger n'avaient aucune efficacité. Et ça a continué. Deux nuits après, elle s'est encore approchée de moi et m'a dévoré trois doigts. J'ai encore dans mon esprit le bruit des craquements de mes phalanges, les secousses quand il arrachait mes bouts de doigts avec ses horribles dents. Et vous entendez tout ça sans pouvoir réagir. À la suite de ça, il s'est approché de moi, la bouche encore pleine de morceaux de mes doigts et de sang. Il m'a alors dit « Tu es délicieux, à ta prochaine paralysie, je te mangerai le visage. » Voilà pourquoi je ne dors plus, depuis plus de 49 heures. Mais malgré tout ce que je prends, pour ne pas m'endormir, j'avoue que je suis épuisé, que je ne tiens plus. Rien que le fait de vous avoir raconté tout ceci, m'épuise. Mes paupières sont si lourdes.
Si j'avais su, je serais allé voir mes parents pour ne pas rester seul. Ça m'aurait peut-être sauvé. Mais comme je me suis disputé avec eux, je ne sais plus quoi faire. Je suis si fatigué. Ah, enfin, je vais pouvoir te manger.